deuxième match de préparation. Après avoir gagné à Montreux, très belle victoire, hein, très belle victoire. Mais on reçoit Volpini, une équipe pour ma part inconnue. Je ne peux rien vous dire sur cette équipe. Ça fait depuis le mois de juin que je joue contre moi. Voilà. Aujourd'hui on y est. Un deuxième match, de nouvelles ambitions, du nouveau jeu et une victoire à la clé. D'accord ? On est obligé de s'imposer aujourd'hui. On est obligé. Premièrement, pour garder cette confiance obtenue à Montreux et ensuite préparer le match de Fontainebleau qui nous attend dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, ça y est. Hein. Ça y est, c'est parti. On se lance dans une nouvelle aventure, championnat, Fontainebleau, voilà, c'est parti. C'est les matchs amicaux, c'est fini, les matchs de préparation, c'est terminé. C'est championnat. Okay ? Aujourd'hui, on est 18. 18. Tout le monde, hein, va avoir du temps de jeu. Mais attention. Attention. Il y a une technique qui a été mise en place. D'accord ? Sur ce papier, très belle compo. Très très belle compo. Maintenant, ce qui m'a déçu la semaine dernière à Montreux, et vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'on n'a pas joué. Pour ceux qui étaient présents. C'est qu'on n'a pas joué. Aucune relance à la main. D'accord. Les latéraux, aucune solution. On est d'accord. On n'a fait que balancer. Balancer, il balançait. Et nous, on faisait pareil. Exactement le même jeu que Montreux. Alors qu'on sait faire des choses, et vous le savez très bien, vous savez très bien qu'on sait faire des choses qui peuvent nous permettre d'aller marquer des buts qu'on veut. La preuve, c'est le troisième but que met Kylian. Ça part du côté gauche, c'est Kylian qui finit côté droit. La preuve, en 5 passes. Et la finition, elle est là. D'accord ? Donc, il faut garder ce but, cette application qu'on a mis sur ce but pour faire ça le plus longtemps possible dans un match. Melvin, je lui ai dit aujourd'hui, relance à la main. T'as compris, hein ? Relance à la main. Maintenant, si t'as la difficulté pour partir à la main, voilà, je vais pas te prendre la tête non plus. Tu envoies. Premièrement, relance à la main. Ensuite, tu vois. Ok, mais relance à la main, par contre, veut dire Mathieu et Willy, les petites flèches là, en pointillé, c'est les déplacements que vous faites. Ok ? Tout ce qui est flèche normale, c'est le déplacement du ballon. On a compris ? C'est bon pour toi ? Bouge-toi. T'as cette chance encore de pouvoir être titulaire aujourd'hui, bouge-toi. Premièrement, défendre. D'accord ? Premièrement, défendre. Après, une fois qu'on est en position du ballon, tu sais faire, mais tu as peur de faire. Tu as peur de faire parce que t'es pas en confiance. Et voilà, tu as toujours cette crainte de mal faire. De mal faire, ça se voit. Tu sais faire un contrôle, tu sais faire une passe, tu sais te déplacer, mais tu hésites. Tu es dans l'hésitation totale. Prends de la confiance. C'est là qu'il faut prendre la confiance. Dimanche prochain, ça sera trop tard pour prendre de la confiance. Là, tu prends de la confiance. D'accord ? Jérôme Lucas, sur vous deux là, voilà, je sais, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Voilà, vous avez des joueurs. Jérôme plus physique, un petit peu plus de technique là-bas, d'accord ? Communiquer. Communication. Attention, communication, Lucas, Jérôme, Willy, Mathieu. Ok ? Melvin. Communication. T'as le droit de remplacer ces 4 joueurs-là. T'as tout à fait le droit. Ne t'écoute pas, je m'en occupe. C'est simple. Patron derrière. Tu sais faire, patron derrière.
Pareil pour toi là-bas. Patron derrière, prends là. On est en place. Qui fait quoi? On va où? J'ai, je prends lui, et ainsi de suite. D'accord? Communication. Tommy, dans un rôle de 6. Tu remplaces Landry. Voilà, t'as la technique pour. Il faut juste que toi. Je te l'ai dit vendredi, faut que tu casses des gueules. Faut que tu casses des gueules. Dans le rôle où tu es là, ouais, la récupération quand elle est au sol, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en l'air, faut que tu casses des gueules. Il faut que ton 10, il n'existe pas. Il n'existe pas. T'es trop doux, Tommy, t'es trop doux. T'es trop doux, je t'ai eu 3 ans, je crois. T'es trop doux. T'es un super joueur, mais voilà, t'es trop doux. C'est dommage. Il te manque que ça. Donc, dès cette année, tu vas avoir un rôle important, je pense, dans cette équipe. C'est du déplacement, c'est de la solution. Voilà, je fais vivre le ballon. D'accord ? Et Ozana ou Jimmy, celui qui se porte plus en numéro 10, a l'obligation de mettre, que ce soit Steven, Flo ou Hugo, voilà, de leur mettre des ballons dans les meilleures dispositions qui soient. D'accord ? Tu sais faire. Tu sais faire. C'est bon ? Dos au jeu. Je prends appui et je repars. Je repars. Je donne mon ballon, je donne une solution. Jamais on s'arrête. On est toujours en mouvement, constamment en mouvement. Pour pouvoir jouer au football, il faut toujours être constamment en mouvement. Je souffre quand la balle elle sort, je souffre quand voilà, il y a un petit fait. Mais dès que la balle est en jeu, on joue. On joue. Tout ça, c'est dans la concentration. Le reste, vous savez faire, j'ai même pas. Je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis. Steven, Hugo, on est dans. Voilà, on pénètre. On va. On, voilà. L'accélération. D'accord, Hugo ? Donc, tu bouffes la ligne, tu te mets de 3/4, je vois Willy, je vois Flo. D'accord ? Et je vois Jimmy dans l'axe. Après, tu vas prendre un appui, et après, tu vas partir. Champ libre après. Ok ? C'est ça qu'il faut. C'est juste ça qui m'inquiète. T'es suspendu encore, tu vois, tout le mois de septembre. Là, je te fais jouer parce que tu en as besoin. Tu en as besoin, je ne vais pas te laisser à la maison. Pourquoi ? Tu as besoin de lui. Par contre, ton caractère, il faut changer tout de suite. Parce que tu sais très bien qu'avec moi, ça va pas passer. Tu prends une faute. Il s'excuse pas, c'est pas grave. Tu vas mettre un but. D'accord ? Pas de coup par derrière. Attention, Flo. Je te jure que je ne vais pas rigoler avec toi. Je te connais par cœur. La première chose inutile. Ceux qui seront avec moi sur le banc, vous allez tous rentrer, vous allez tous jouer, ne vous inquiétez pas. Et à Montreux, la preuve, hein. Et en passant, sur rentrée, Kylian il a marqué, Johan, belle petite prestation, il fait marquer, c'est dommage, et ainsi de suite. Oh!
ça va. J'ai peur. Ah, mon pote sait faire. Maîtrise Ethernet pour que tu aies Internet. Ouais, exactement. Maintenant, je pense qu'on peut largement mieux faire. Surtout sur le plan technique, sur les passes, contrôles, etc. qu'on va travailler, mais on peut largement mieux faire. Il y a eu des déchets un petit peu pour toi ? Pas mal de déchets, ouais. Pas mal de déchets par rapport à la semaine dernière. Il y en a eu beaucoup plus aujourd'hui que dimanche dernier à Montreux. Des U15 qui sont montés cette année, ouais. Ils ont joué aujourd'hui. Il y a combien de U15 qui ont joué aujourd'hui dans ton équipe ? 4. 4 U15 qui ont joué aujourd'hui. Ils se mettent dans le moule, hein. Honnêtement, ils ont peur de rien, ça joue au ballon, c'est ce qu'on leur manque, c'est ce que je leur demande, donc il n'y a pas de souci particulier là-dessus. J'ai entièrement confiance en eux, entièrement. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y avait une différence de niveau entre l'adversaire aujourd'hui et toi ? Je pense qu'on était, plus haut, ouais. on était plus fort. D'accord. L'objectif cette année ? Viser la montée, tout simplement. L'année dernière, ils ont eu pas mal de problèmes. Cette année, on a un effectif pour viser la montée, donc on ne va pas s'en priver. Et voilà, décrocher un podium, et on sait jamais ce qui peut se passer derrière. D'accord. Voilà. Tu peux montrer la photo qui est juste là, s'il te plaît ? Voilà, je vois que t'as une petite photo. Tu me le présentes, c'est qui ?
Pep Guardiola. D'accord, ça t'envisage un peu complètement. Tu te retrouves un peu avec lui? J'essaye. C'est difficile à travailler parce que c'est un super entraîneur, mais j'essaye. Je travaille avec lui, je travaille sur lui. Dès que j'ai du temps, je travaille sur lui. C'est ton modèle? C'est mon modèle. Un grand modèle d'entraîneur. D'accord. Que j'apprécie énormément. D'accord. Bon, on aura l'occasion de se revoir un peu dans la saison. Encore des grands formats, des The Match. Avec plaisir. En tout cas, on va voir si tu vises à monter. Avec plaisir, on va se revoir très bientôt. Avec plaisir, pas de problème. À bientôt.